Après, tu vois, beaucoup de gens pensent ça. Xephyr va sortir, ça va faire tout drôle. J'espère que oui. J'espère que la concurrence sera bonne, positivement, pour Call of Duty. C'est-à-dire que le jeu soit si bien et qu'il attire beaucoup de monde et qu'il fasse vraiment du bruit, qu'au final, tu sais que ça concurrencera pas Call of Duty. Il faut être très réaliste et les gens qui pensent que Xdefiant pourrait même retourner Call of, pour moi, sont candides. Mais peut-être que ça peut être comme un caillou dans la chaussure, tu vois. Le truc qui te fait chier, que t'as quand même envie de retirer. Donc ça pourrait peut-être motiver un petit peu Call of à essayer de dire, tiens, on perd du monde, on va quand même essayer peut-être de faire plaisir. Ah, ou largage tactique, ça peut voir le coup. Nickel, il est à côté. Ah ouais. Alors, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Au moins, on a notre caisse. Ah ouais. J'avais un petit peu trop de masque à gaz à mon goût. Est-ce qu'il y a tes potes dans le coin? Pauvre type, il avait pas d'amis. Ennemi déployé dans la zone. Ah. Surveillez le ciel. Cible mise à prix. Et un you're back. Back again. Ah, il y a deux gars là. J'y vais. Oh, un petit jeton de goulag là-dedans, tiens. Attends, j'ai pas de plaque.
Ah, il se barre loin. Ah, j'en ai eu 3 sur 4, ça dégoupille, hein. Ça dégarpille. T'as un VPN, c'est pas possible autrement. Oh merde, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? C'est la playlist expérimentale, donc dedans le SBMM est moins fort. Et aussi, quand t'es en solo versus squad, automatiquement le SBMM se divise. C'est vrai ce que tu dis? Bah bien sûr. Si tu joues en solo squad, le SBMM est adapté. Mais après, t'es tout seul. Ça veut pas dire que tu vas tomber que sur des plots, hein. Attention. Mais ça veut dire que le résultat sera plus homogène. Trop content. Ah, y a du monde là. Me cayeron. Me levanto. No, ya está ahí, güey. ¿Combien son de Semtex? ¿Tú me expliques un peu o...? ¿Combien son de Semtex, les gars? C'est serveur américain aussi? Ouais. Bon, ça, y a que l'ego surdimensionné des Européens qui pourraient croire que sur les serveurs américains, c'est plus simple. Un petit drone. Tant qu'il y a un shop là. Oh, il y a même le ballon, je serais tenté de le prendre. Hein. On demande un survol de reconnaissance. Ça va traverser un peu. Putain, il y a des gars sur l'île. C'est tentant.
trop nul. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Wow. Eh merde. Ah ouais d'accord. Bah bravo. Trop bien. Trop bien. Eh bah, faut remettre de la balle, hein, ma foi. Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. Gaz avance. Nouvelle sécurité identifiée. Vous faites partie des 10 derniers. Ah. Une fois que les petits bip 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 fonctionnent, on va voir sur le toit s'il n'y a pas moyen de faire un truc. Ça m'a l'air bien sur le toit. La zone est sur moi. C'est peut-être ma chance. Ou pas. Perdez du terrain, bougez-vous. L'ennemi a gagné, mais on reviendra prendre notre... C'est dommage parce que c'est l'un que j'avais mis à terre. C'est vrai que sur le coup tu dis bon, ils étaient sur le train, tu mets un à terre, tu mets une frappe, ça aurait été bien, j'avais pas de frappe. Là les gars arrivent sur moi, ah bah ils sont plus là. Ah comme par hasard tiens. Ah c'était une bonne game, 19 kills c'était une bonne game. Après, disons que
Il y avait encore un gars, je crois, mais je sais pas où il était. J'aurais peut-être dû essayer de partir dans le gaz avec le masque pour essayer de brouiller un peu les pistes, mais bon. T'sais, après, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, c'était 1 versus 4. Ils avaient l'air d'être durs à battre. Là, un 4, ça aurait été compliqué.